Salut à tous! Avant que la vidéo ne commence, j'ai un petit truc très important dont je dois vous parler. Donc Brian, que vous allez voir dans la vidéo, a une chaîne YouTube sous le nom de Vous Savez Qui, et il y a quelques jours lancé un Ulule pour financer un très 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 gros projet. Donc ce Ulule va servir à financer la Coupe des 4 maisons années 1 à 4 qui va voir se réunir une vingtaine de youtubeurs, donc quasiment tous des youtubeurs Harry Potter mais aussi des youtubeurs hors Harry Potter. Et donc ce projet va être immense, on va louer un studio de tournage professionnel, on va tous se déplacer sur Paris pour l'occasion, y rester pendant plusieurs jours, enfin voilà, ça va être trop trop bien. Mais donc pour que ce projet puisse se réaliser, on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la cagnotte Ulule dont le lien sera dans la description. Si vous faites un don, il y a des contreparties qui sont vraiment trop cool, comme par exemple un pack supporter pour supporter votre maison, une invitation à venir passer un moment avec nous, une invitation pour assister au tournage et peut-être même y participer. Et si jamais on dépasse le but des 5000 euros qu'on s'est fixé, on va pouvoir agrandir encore plus le projet en faisant par exemple une avant-première dans un cinéma, des rencontres abonnées un peu dans toute la France. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et si jamais vous ne pouvez pas faire de don, déjà rien que partager le projet, ça sera déjà une grande aide. Donc merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec Brian de la chaîne Vous Savez Qui. Salut. Aujourd'hui on va faire une vidéo trop cool, j'ai trop hâte de faire. Du coup j'ai invité Brian pour l'occasion. On va tester des anciens jeux Harry Potter, donc c'est pas vraiment des jeux de société, c'est plus des jouets, enfin vous savez tous les trucs qui étaient sortis dans les années 2001-2002 pour la promotion des premiers Harry Potter. D'ailleurs j'ai ressorti les petits posters de mon placard pour l'occasion, dont celui-ci dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Vous savez le fameux poster auquel il fait un bisou, voilà, pour l'anecdote. Voilà, c'est celui-là. Je pense que ça va être bien. Ouais, grave. Donc, j'ai hâte de voir ça, ouais. Parce que j'ai pas, comme je t'ai dit, j'ai pas eu énormément joué Harry Potter. Donc là ça va être totale découverte pour moi. En plus toi tu fais partie de la première génération de fans, enfin c'était vraiment ton enfance tout ça, donc ça va vraiment peut-être te rappeler des souvenirs, je sais pas, des pubs que tu voyais dans les magazines à l'époque, des trucs comme ça. Mais il y a sûrement des trucs que je vais voir, tu vois, pour la première fois. J'avais vu, comme tu dis, à la télé en mode, putain c'est trop bien, mais je les ai jamais eus. On va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec ce premier jeu. Alors, ce jeu, je l'ai acheté d'occasion, juste pour la vidéo, donc j'ai pas jamais testé. Donc, de ce que j'ai compris, c'est un truc pour faire des badges. Donc, écoute, ça a l'air un peu bizarre. Je sais pas dans ce que ça va donner. Donc voilà, si tu veux, je peux l'ouvrir, découvrir ce qu'il y a dedans. Les instructions en français et tout. Après, il y a le noir et marron. Crayon, il y a les feutres. Ça a l'air très bizarre. Et ça a pas l'air ouf, hein. Mais écoute, ça m'intriguait quand même. Justement, une fois que t'as fini ton badge, tu le colles dessus. Ouais. Avec une ficelle et tout. Il y a un petit pinceau. Ah, puis il y a ça aussi. Ça, c'est très important. C'est pour faire tes formes. Bon, ça va, il y a que deux pages de... Oui, ça va, ça a pas l'air trop compliqué. Demande à un adulte de nous aider. Portez toujours de vieux vêtements ou un tablier. Non, mais là, c'est du papier, quoi, ils abusent. Il vous faudra une feuille de papier cartonné de la couleur de votre choix. Prenez le chaudron et la plaque à gaufre. La plaque à gaufre, c'est ce qu'ils appellent une plaque à gaufre. Je pense. Chaudron. On a Harry avec un chaudron. On a la moto de Sirius avec Hagrid dessus, j'imagine. Ouais. On a des chouettes. On a Harry qui attrape le vif d'or et Harry qui vole tout seul. C'est le même. Prenez le chaudron et la plaque à gaufre sélectionnée. Soulevez le couvercle comme. Ça a l'air. Franchement, ça a l'air un peu technique en vrai pour des enfants. Deux pages de. Oui, ça va, ça a pas l'air trop compliqué. Et ça, c'est les feuilles cartonnées. C'est libre de choisir la couleur. Oh là là. C'est fou. Mais là, on est bon, on est bon pour l'instant. Ça s'enfonce pas. Moi, je m'imagine à 10 ans comme ça. Donc là, on est bon, on a fait le premier étape. Il vous faudra une autre feuille. Bah, la première, on la met où? On la met au-dessus. Une autre feuille? Suffisamment grand pour couvrir la largeur du chaudron. Ouvrez le couvercle du chaudron et passez le carré de papier cartonné sur la plaque à gaufrer comme sur le diagramme. Fermez doucement le chaudron jusqu'à ce que les dents du couvercle s'enfoncent dans le papier cartonné. Il empêchera de bouger pendant que vous travaillez. Humecté, Elise. Je vais chercher le point humecté. Ça humecte? Promis, il y a mieux après, comme je... Oui, là c'est vraiment pour se mettre en appétit. C'est trop marrant comme jeu. Mais moi je trouve que c'est trop une punition. En plus à la fin, tu vas avoir un vieux badge tout pété. Celle qui est choisie en plus. Et sans dépasser la limite circulaire du chaudron, frottez vigoureusement de gauche à droite et de haut en bas jusqu'à ce que toute la surface ait bien été couverte. J'avoue qu'il y a eu un début d'espoir, mais là, l'espoir ça me nuise un peu à peu. Peut-être qu'il apparaît de l'autre côté, il descend en fait. Non, tu penses pas? Ah, rien. C'est magnifique. Voilà, y a rien du tout. Franchement, on voit un petit peu Harry. On voit que dalle. Placez votre index dans l'orifice du couvercle. Oh.
putain. Il y a un sens, tu crois? Oh la vache. Il vient et retournez-le pour voir le personnage entièrement en relief. Non, tu vas te dégager. Voilà, tu vois, là. Il y avait un début quand même. Harry n'a pas de visage en oui, fait. Oui, bon. Franchement, une autre pareil, moi, je pense qu'on y touche. Faites en sorte que la ficelle au doigt. Mais il était bourré le mec qui a écrit ça, c'est pas possible. Je vais tenter. Allez, c'est parti. Moi, je pense que tu vas y arriver. Mais c'est peut-être ça, peut-être qu'on a pas assez humecté. Mais je t'offre ça, ton enfant. Oh, la punition. Ah, t'aimes bien Harry Potter? En plus, l'enfant, il doit se sentir trop nul parce qu'il se dit, tiens, j'arrive même pas. Alors, je tente. Oula, attends, je vais faire avec le dos. Attends, c'est le dos, le petit peu. Ah, ça fait trop mal au bras, là. Non, franchement, tu t'en sors. Tu crois, vraiment? Ah, si, l'argent, mais bien parti, mais. Mais non. Mais là-dessus, tu vois rien. Mais faut retenter avec un autre. Et là, on va humecter, mais comme jamais. Moi je pense que tu peux aller à la fac avec ça, tranquille. Ouais. On est sur un semi-succès sur cette année. Bon, je pense qu'on va passer au jeu suivant. Ah, ça me dit quelque chose ça. Wow. En vrai, ils étaient pas mal, hein. Non, ils ont gagné beaucoup de prix les jeux Harry Potter. T'as l'impression que c'est violent sur le Netflix là, t'as l'impression de le montrer un peu. Et donc dedans, j'ai toutes les pièces. Si est un peu vieux. Du coup, il va au ralenti, quoi. Il est censé faire un bruit de grincement. En plus, il fait trop peur parce qu'il se déplace sur une arène. Ouais, du coup, il touche le sol et tout. Hop, on va se répartir les bagages. Attends, c'est voiture. Du coup, c'est mignon parce que c'est des petites Ford Anglia avec un gaz d'échappement. Ça, c'est marrant, ça. C'est celui qui m'attrape le plus, en fait, c'est ça? Normalement, c'est... Bah, il y a plusieurs modes, apparemment. C'est celui qui l'attrape le plus vite. Je pense qu'il y a un mode 1 contre 1 où c'est celui qui en attrape le plus. T'es prêt? Tout va tomber, je suis sûr. Là, tu peux le faire, gros. Mais c'est pas facile. C'est pas si facile au final. Hein. Non. Non. Eh non, vous avez malin, mais c'est pas si facile au final. Oui, c'est pas si vite. Hein. Hey. Je pensais que ça allait être. Parce qu'il s'arrête pas en fait, vraiment il s'arrête pas. Et il a beau aller doucement si tu le loupes. Tu veux réussir? Ouais. Allez. En fait, je sais pas par où. En plus, je tremble comme un. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Je dis, elle fracasse le sous-le-cognure en fait. Elle n'attrape pas les objets. Faut se concentrer, allez. Concentre-toi. Bah, l'agilité. L'agilité. Depuis que je t'en parle, j'arrive pas à en attraper un. Hein. C'est pas grave. J'en ai aucun. 3 bouquins et un livre. Alors, moi, j'ai un livre, j'ai un truc. Et après, j'en ai un peu partout. Sur le pare-brise, c'est rigolo. Elle est pas mal. De toute façon, on pouvait pas faire pire que le premier jeu. C'est sûr. Ah ouais, on passe au suivant. Ah, tu me regardes. Petit indice pour le prochain. On va avoir besoin d'eau. Oula. Alors, c'est un jeu qui n'est pas sorti en France, je crois. Je l'ai trouvé sur Vinted Espagne. Ok. Du coup, Magic Water, c'est rigolo. Ouais, alors de ce que j'ai compris, il faut remplir d'eau. Et en fait, ça va créer une bulle d'air. Ouais. Et la bulle d'air, il faut l'amener à destination dans le jeu. Ah non, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, bah allez, c'est parti. Bon, ça va, c'est à peu près. Ça, les gens voient. Voilà. Oh, c'est tout petit. Ouais, c'est marrant. Oh, une petite notice et tout. Ah, oh, c'est trop bien, il y a tous les anciens jeux qu'il y avait à l'époque. Oh, ça a l'air génial ça. Ouais, il y a deux gobelets. Où est-ce qu'on met de l'eau? Attends, comment ça marche? Il n'y a pas une notice en fait? Regarde déjà, là, on a une pipette. Je pense qu'il faut faire ça. Oula. Y'a pas de notice. Je vais remplir ça. Bah, mettez ça. Oui. Ça, c'est. Ça va être la galère encore. Waouh. Ça va être amazing. C'est ça? Bah, ça fait une bulle. Ah! Ah oui, d'accord. En fait, c'est pas des bulles d'air, c'est des bulles d'eau qu'il faut déplacer. Okay. Et du coup, ça ressort par là. En fait, c'est un truc qui va mouiller partout. Bah oui. Mais ils sont en débit. Mais attends, c'est quoi? Je comprends pas en fait. L'arrivée, elle est où? Bah vas-y, tente de l'emmener là-bas. Non mais ça va... C'est pas grave. Ça va passer en dessous.
Mais non, mais on démarre tête de là, mais c'est trop facile parce que t'as juste à bouger le truc. Bah ouais, ah, je suis déçue. Mais il y a plein d'eau qui s'est mis dans la doublure de la vitre en fait. Ça se voit même pas. Ah si, là. Il y a rien qui est nulle part. C'est un jeu qui n'existe pas. Il faut faire ça. Et le truc c'est d'aller là, tu vois, sans tomber là. Tac tac, parce que tu vois, il y a plein de pièges. Ici aussi, il y a pas de bord. Donc on a enfin compris le jeu. Vas-y. Le challenge de ma vie. Après le truc, mais là, tu vois, ça va vite, hein, parce que déjà, je perds tout de suite. Et bah, ben, faut que j'arrive à passer dans le petit. Voilà, comme ça. Et tu vois. Ah oui. C'est ça le truc. On est passé de easy à infaisable. Voilà. Mais après, ça va tellement vite, tu vois. Non. Vas-y, essaye d'aller plus loin que moi. Tu vois, après, ça s'accélère, c'est chouette. Ah, c'est le moment critique, là. Ah, c'est rageant comme jeu. C'est un petit challenge, mais les gosses ils vont venir, ils deviennent fous avec ça, c'est obligé. Ça permet de travailler la patience, l'adresse. Ah, c'est chaud. Bon, on va passer au jeu suivant. Allez. Alors là, j'en ai un plutôt sympa. Non, celui-là non plus, j'ai jamais vu ça. Alors il est neuf, il a jamais été ouvert. Ah, pareil, il y a juste citrouille glacée. Et peut-être que si tu veux essayer de boire, tu pourras. Étant donné que ça date d'il y a 20 ans. Je sais pas si on va survivre. A utiliser avant le 31 décembre 2003. On a à peu près 17 ans de retard. Il est tellement vieux que ça s'ouvre même pas. Ah, on y arrive. Franchement, ça sentit quelque chose d'ouvrir un vieux jeu à la Potter comme ça. C'est bien. C'est vachement bien. Ouais, du coup, j'ai pas le chercher. En tout, il y a deux sachets, donc ça veut dire qu'à l'époque tu pouvais t'en servir que deux fois. Oh, c'est tout dur. Bon, on a une petite cuillère, on a un truc pour mélanger, une citrouille on a un petit récipient pour doser l'eau et on a deux poudres. Donc, deux mesures d'épices de citrouille. C'est celle-là. Ça sent le sucre vanillé. Bah, ça sent pour un truc de 2003, ça sent. Ça sent plutôt bon. Ouais, c'est. Ajoute deux mesures d'épices de citrouille. Mélange jusqu'à dissolution complète. Alors. Ça va être incroyable. Une. Ouais. Ah, ça devient violet. Une totale réussite. Oh. Oh, c'est peu ragoûtant. Tout gélatineux. Mais. Ah. Donc là, ajouter de la glace. Pour remplir ça. Mais attends, ça va couler en dessous, c'est ouvert. Bon. Tu penses que c'est pas bien. Nous avons un glaçon. Tu veux mettre le glaçon? Non. J'utilise de gros glaçons, mais en fait seul, là-dedans. Insère la manivelle comme indiqué, appuie sur le couvercle et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Donc on a ça. On est d'accord. Et là, je dois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Et qu'est-ce qu'il doit s'enclencher? Ah, ça pile la glace en dessous. C'est ça, en fait, en train de râper le glaçon. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Plein de glace. Je crois que c'est la vidéo la plus what the fuck que j'ai fait sur un sujet. Saupoudre deux mesures de poudre de sorcier sur la glace. Putain. Putain, c'est tout collé. Mais tu vois ça chier. Regarde, il a fusionné avec le papier machin. Ah ah ah. Oh, ça commence à puer en plus. Ça pue. Ça commence, ouais. On y vient. Oh la vache. Alors Brian a eu une très bonne idée. Comme c'est tout. Bah en fait, c'est un peu bizarre. On va le mettre là-dedans, on va le broyer. Oh, non. Puis ça va, on doit le mettre sur la glace, donc ça va tomber. Ouais, ça marche, hein. C'est bon. Pas mal. Passons d'épices de citrouille et mélanger. Ça va changer de couleur et pétiller. Oh. Oh, waouh. Ambiance. Wow. Ça change de couleur. Ça devient rouge. Et des morceaux et tout. J'ai trop envie d'écouter ça. Hum, tu trouves le matelas, c'est sympa. Donc voilà, c'est très ragoûtant. Ah, si tu le fais, je le fais. J'ai trop peur. Eh, ça se trouve, on va mourir. Ouais, hein. Il change de couleur. Non, mais tu crois qu'on va mourir? Bah, je sais pas trop en fait. Ouais, ça va. Tu sens que. En vrai, ça passe, hein. Ouais. Non, mais sérieusement. Ça passe. On va peut-être décéder demain, mais. Attends, je regoute un petit peu. Mais vraiment, non? C'est très sucré, mais bah vraiment ouais, non, très sucré. Ouais, mais. Par contre, c'est jamais ça le goût du citrouille. Non, ouais, pas du tout.
On a l'impression de manger un bonbon très froid et liquide. Bah franchement, peut-être que je serai décédé demain. Ouais, si on mais non, franchement, ça, c'est bon. C'est bon. C'est ça hyper passe. Sucré, mais... par contre, ça n'a rien à voir avec la citrouille. Hein. Rien à voir. Bon, bah, écoute, c'est validé, c'est sympa. C'est sympa, ouais. Petite à l'époque, activité mignonne. À l'époque, ça devait être marrant, quoi. Ouh, c'est pas mal. On va passer au dernier jeu. Oh là là, grand moment. Celui-ci risque de traverser des souvenirs. J'en doutais. J'en doutais qu'il serait là, celui-là. Celui-ci, là. Fameux jeu de lévitation. Ah, ça, c'est mythique, hein. Je crois que ça va être un des plus célèbres avec celui du Quidditch. Ah, je pense, ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Je me souviens encore des pubs à la télé. Alors, celui-là, de tous ceux que je t'ai montré aujourd'hui, c'est le seul qui vient directement de mon enfance. Oh. Ça, c'est vraiment le mien. Tous les autres ont été rachetés. Ouais. Tu veux commencer à jouer ou je commence? Parce que du coup, si je joue, tu me prépares mon parcours et inversement. Vas-y, je te prépare mon parcours. Tu me prépares mon parcours, voilà. Okay. C'est un jeu où en fait il y a un genre de souffleur par en dessous qui va faire voler la petite balle en polysirène qui a dans le chaudron. Et en fait il faut faire le parcours le plus vite possible en passant à travers des obstacles. Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon, tu penses que tu m'as... Bon, je vais l'allumer. Oh, c'est vrai, je l'avais. Ah, ça c'est le bruit de ton enfant. Pas grave. Alors dans mes souvenirs on va plus rien entendre au micro parce que ça souffle très fort. Impossible, la roue en fait. Ah merci. Tu l'as passé. Et j'ai fini, hein. Eh, hey, tu me dis pas que j'ai fini. D'habitude, il dit parcours terminé, il dit chrono et tout. Je pense que j'étais tellement nul, il m'a même pas dit. J'ai fini. Non, je suis déçue. Il m'a même pas dit. Il t'a même pas respecté. Ça va être à moi de te faire ton parcours. Allez, vas-y, fais ton plaisir. On va rire. Hop. Bon, le parcours est un peu semblable, mais. Ah, là, grand moment d'émotion. On va voir ça de près. Ça, ouais, ça, c'est machin. J'ai shooté dans la caméra, non, c'est bon. Eh bien, vas-y, pardon. Allez. Bon, du coup, t'as réussi à finir. Ouais. C'est chaud, hein. Ouais, mais c'est quand même le meilleur de tous, quoi. Ouais, c'est le meilleur, c'est pour ça que je me mets à la fin. Ouais, voilà. Pour ce jeu mythique. Ouais, c'est vraiment le must. Bah, écoute, c'est la fin de cette vidéo. Oh, c'est bien amusé quand même. Il y a des trucs, c'était un peu... Il y a eu des découvertes, il y a eu des... Des déceptions. Des déceptions. Il y a eu qu'une déception, c'est le badge, quoi. Après, oui. Même la glace, quand on a compris le truc des bulles, c'était rigolo. Oui, c'est vrai. La glace pilée, c'était rigolo aussi, on n'est pas décédé, pour l'instant. Je commence à pas me sentir bien. Et puis, mais écoutez, n'hésitez pas à retrouver Brian sur sa chaîne, il fait plein de vidéos super sympas, que sur Harry Potter et tout, des concepts, plein de choses, plein de concepts originaux. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut.